Alors bonjour et bon, bonjour à Benoît. Donc, moi j'ai la chance de connaître un petit peu Benoît par le biais de notre ami commun Joël Egloff, qui, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas on a eu la chance nous de programmer Benoît en tant que lecteur. Donc on va un peu, je vais faire une présentation rapide de Benoît Fourchard pour que vous sachiez que ce soir, enfin aujourd'hui on ne reçoit pas seulement un auteur, mais plutôt un artiste aux multiples facettes. Donc, tu es à la fois écrivain, dramaturge, tu es aussi lecteur, co-organisateur d'un festival, festival 12 000 signes qui a lieu en ce moment à Nancy. C'est pour ça que Benoît, aujourd'hui, est un peu pressé par le temps parce qu'il est en plein milieu, on va dire, de la programmation de son festival et il est sollicité dès cet après-midi pour une action dans un établissement, c'est ça ? Un lycée, oui. Un lycée. Donc, moi, je voulais qu'il vous parle. C'est intéressant pour vous de connaître un petit peu les aspects un peu de toutes ces actions, parce qu'on imagine toujours un écrivain, quelqu'un derrière sa feuille, quelqu'un d'assez solitaire. Et en fait, là, tu as un peu le contre-cliché de l'écrivain, parce que tu vas beaucoup, en fait, vers les lecteurs et en tout cas, tu mènes beaucoup d'actions. Tu es un grand médiateur, on va dire, du livre et des mots. Parce que tu mènes aussi des nombreux ateliers d'écriture. Enfin, Et je trouve que c'est très intéressant pour ça aussi de te recevoir aujourd'hui, pour que ben, les professionnels, en tout cas qui sont là aujourd'hui, voient aussi d'autres facettes d'un écrivain et que tu nous expliques un petit peu toutes tes actions. Voilà, je te laisse parler. Alors en fait, je suis aussi metteur en scène et comédien. J'ai animé des compagnies de théâtre et toujours d'ailleurs, dont une compagnie qui s'appelle Les Fruits du Hasard, qui est porteur de ce projet 12 000 signes, donc qui est un festival entièrement dédié à la nouvelle, qui est un genre un peu trop négligé, donc pour lequel on a voulu, qu'on veut remettre en lumière grâce à ce festival. Donc c'est des lectures musicales qui ont lieu sur toute l'agglomération de Nancy et même le département de la Meurthe-et-Moselle. Donc des lectures musicales avec comédiens, musiciens professionnels et dans tout un plein de lieux très différents. Donc là, en ce moment, effectivement, aujourd'hui et hier, on est dans les lycées. Ce soir, on sera à l'université. Puis à partir de demain et après-demain et jusqu'à dimanche, pour le tout public, on va dire. Donc, et l'idée, c'est vraiment... Alors en plus, on invite effectivement des auteurs, dont Joël Egloff, qui ne sera pas là cette année parce qu'il a un nouveau livre avec lequel il est beaucoup en tournée, mais qui a été notre invité presque continuel tous les ans. Donc ce festival existe depuis 5 ans maintenant. Voilà, mais ce n'est pas tout à fait pour ça qu'on se voit aujourd'hui. C'est sûr, mais c'était intéressant aussi, je pense, de voir que voilà, un écrivain, ça peut être aussi comme ça, quelqu'un qui transmet les mots par plein de biais, enfin, notamment par la lecture. La lecture à voix haute, parce que c'est quand même quelque chose aussi qui est important, notamment pour la jeunesse maintenant, je trouve, avec les problèmes l'accès aux livres peut passer par la lecture à voix haute et ça peut dynamiser aussi la lecture auprès des jeunes lecteurs, je trouve. Tout à fait. C'est vrai que c'est un média finalement assez intéressant de proposer des lectures à voix haute. Alors notamment, là, pour les collèges et les lycées, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de leur parler de la nouvelle, mais aussi des romans jeunesse. Alors il y en a quand même, il y a quand même des lecteurs parmi tous les collégiens que j'ai l'occasion de rencontrer avec ce livre. On se rend compte qu'il y a quand même, il ne faut pas être trop négatif sur le fait qu'ils sont plus sur leur portable que dans les livres. Moi, je trouve qu'il y a quand même encore de l'intérêt pour la lecture et donc... Tout espoir n'est pas perdu, dis. Bah oui, en même temps, moi, c'est mon cœur de métier, donc mon espoir n'est pas perdu non plus. Mais c'est vrai que je trouve que ce biais de, parfois, pour relancer le fait, même dans les classes, dans les projets ou dans les bibliothèques, de lire des extraits ou de partager comme ça des lectures à plusieurs, ça relance parfois la lecture solitaire aussi. Et alors, pour recentrer un peu ce pourquoi tu es venu aujourd'hui, c'est la grande question, on va dire, c'est comment toi tu es arrivé à l'écriture en premier, enfin tout court, et après à l'écriture plus tard aussi de textes pour la jeunesse, notamment par le biais du théâtre, je crois. Oui, bien sûr, oui. Comme j'ai écrit depuis les années 80, où donc j'animais une compagnie de théâtre où
À partir du milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90, où l'essentiel de mon travail d'écriture était tourné vers le plateau, vers la scène. Donc c'était des textes qui étaient écrits vraiment pour la compagnie, donc qui n'avaient pas d'ailleurs pour objectif d'être publiés spécialement. Et puis dans la fin des années 90, j'ai commencé à écrire plus comme une fin en soi. Alors déjà du théâtre, et puis ensuite des nouvelles. Donc j'ai fait cinq recueils de nouvelles entre les débuts des années 2000 et puis jusqu'à très récemment, jusqu'à cette année. Et je continue d'ailleurs à publier des recueils de nouvelles. Mais c'est venu un petit peu d'une manière, on va dire, ça s'est perméabilisé entre l'écriture théâtrale et puis après l'écriture de nouvelles, puis de romans. Mais l'écriture de nouvelles est venue aussi par le fait que dans mon travail théâtral, il y avait aussi une idée de laisser, comment dire, d'amener une idée de récit. Donc ce n'était plus que des dialogues, mais il y avait aussi une partie récit. Et du coup, il y a un grand nombre de nouvelles qui sont publiées en tant que nouvelles, mais qui ont été des supports pour être des spectacles de théâtre, donc qui ont été joués, tournés, etc. Et puis après, on est venu à l'écriture jeunesse. Comme j'ai écrit beaucoup, beaucoup de pièces jeunesse dans les années 90, fin 80 jusqu'à 90, c'était fait lié au fait que j'avais eu des enfants. Donc j'ai un peu aussi écrit en pensant à eux. Et donc, avec cette écriture destinée à des spectacles jeunesse, j'en suis arrivé aussi à adapter certains, mais aussi à me livrer complètement dans l'écriture jeunesse, en parallèle d'autres choses, de la nouvelle, des romans adultes, etc. Mais en trouvant dans l'écriture jeunesse quelque chose qu'on ne peut pas forcément trouver dans l'écriture pour les adultes. C'est-à-dire qu'on peut explorer des univers, des sujets, avec un langage adapté, mais pas non plus... c'est vrai que je n'y pense pas spécifiquement à... Je m'adresse à des enfants, mais quand même, il y a tout un travail de recherche à faire quand on écrit pour les enfants, qui est assez différent, assez passionnant, quoi. Voilà, j'essaye de résumer, mais... Ouais, mais c'est bien résumé. Facile parce que... Mais Ida la Bleue, c'est ton deuxième roman adressé aux jeunesse, donc qui est édité au Seuil, qui est une très bonne maison, en tout cas, d'édition pour la jeunesse. En tout cas, leur catalogue jeunesse est de grande qualité. Oui, c'est vrai. Non, mais... Je ne vais pas dire le contraire. Non, c'est vrai. Et... ce qui frappe dans Ida la Bleue, en fait, c'est aussi le fait d'utiliser un petit peu... Ben, on sent cette liberté, justement, parce que par rapport à tes textes adultes, là, tu explores, tu fais un peu un mélange de genres, on va dire, entre une dystopie, ou en tout cas un roman... futuriste, qui en fait est dans un contexte un peu moyenâgeux. Enfin, c'est un mélange, je trouve, d'histoire et en même temps de projection vers le futur, de passé, une sorte de mélange passé-futur. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, c'est à la fois une sorte de conte écologique, on va dire, mais c'est aussi un road movie et un roman d'aventure et aussi, on peut dire, une histoire d'amour. Oui. Et en fait, donc, toute l'histoire est portée par ce personnage qui s'appelle Ida la Bleue, qui a 16 ans, qui a les cheveux bleus. Et on comprendra pourquoi, au cours du roman, elle a les cheveux bleus. Et c'est un bleu indélébile. Et c'est stigmatisé dès le départ. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est stigmatisé. Voilà, et on comprend au fur et à mesure pourquoi elle est ostracisée à cause de ses cheveux bleus. Et donc, à cause de ses cheveux bleus, justement, depuis qu'elle est bébé, elle vivait enfermée dans un pensionnat qui ressemble à quelque chose d'un peu ancien, un pensionnat qui s'appelle la Maison Bosco, où elle était enfermée, véritablement prisonnière, à cause de ses cheveux bleus, et dont elle vient de s'échapper pour aller retrouver et délivrer un garçon dont elle est tombée amoureuse, qui s'appelle Tristan, et qui est enfermé dans une prison à l'autre bout du pays, dans une prison qui s'appelle Le Bout du Bout, sur une île complètement isolée, très inaccessible, etc. Et elle fait tout ce voyage, on imagine... Alors, on ne sait pas très bien quel est ce pays, on le reconnaît peut-être un peu. Oui. Et en fait, elle fait tout ce voyage en roulotte parce qu'elle est dans un pays où il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est projeté une vingtaine d'années, un peu, on va dire, dans les années 2040, ce n'est pas précisé les dates. Non. Mais on comprend, je pense,
par certaines allusions de ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et de ce qui a transformé tout le pays en un véritable désert où il y a où on est à la proie de différents dictateurs locaux, etc. Quoi. Donc elle se trimballe en roulotte avec un chat. Un chat, un chat chanteur, voilà. Un chat un peu bizarre. Donc il y a quelque chose d'un petit peu dans l'ordre du conte aussi. Hein. Un peu loufoque aussi, parce qu'on est au milieu de quelque chose, un petit peu un univers qui pourrait s'apparenter de loin à La Route, dans le sens où on est quand même dans un univers un peu détruit, enfin qui pourrait être très triste. Et je trouve la magie du livre et de ton écriture, c'est aussi de avec ces éléments-là, notamment le chat, la loufoquerie, le côté un petit peu la fantaisie aussi qu'il y a dans le livre et qui illumine, parce que ça pourrait être un livre sombre comme La Route ou d'autres dystopies qui sont très on va dire pessimistes, et là il y a quand même ce côté, alors déjà la vivacité du personnage hein, qui est quand même très un personnage haut en couleur et une force vive, on va dire, et voilà, une battante. Et ce chat, cette vieille dame aussi qu'elle va rencontrer. Donc il y a un côté, conte, et un côté aussi plein d'espièglerie, plein de clins d'œil. Et puis avec quelques fenêtres d'espoir, j'espère, voilà. Parce qu'on s'adresse quand même à un jeune lecteur, 12-13 ans. Évidemment, on est dans un contexte qu'eux-mêmes, ils le ressentent. Mais du coup, j'espère amener quelques fenêtres d'espoir et peut-être d'un nouveau monde. Alors effectivement, là, ce qui est, j'ai essayé d'apporter un côté un petit peu drôle, un peu humoristique dans l'histoire, grâce à ce personnage de vieille dame qui s'appelle Félicité, qui est une vieille dame qu'on décrit comme centenaire, mais qui est une vieille dame absolument, irrespectueuse. Et du coup, elles vont s'allier toutes les deux, la jeune et la vieille. Et c'est la vieille qui va expliquer à la jeune comment était le monde d'avant. C'est-à-dire à l'époque où il y avait des ordinateurs, des trains, des routes, des villes, etc. Et donc la jeune découvre par la bouche de la vieille quel était le monde d'avant. Donc évidemment, là où il n'y a plus rien... On explique aussi qu'il y a eu des catastrophes climatiques, mais il y a aussi des catastrophes humaines qui ont mené le monde là où il en est aujourd'hui. Mais l'idée, c'est quand même que le monde pourrait renaître quand même avec des personnes qui sont qui se regroupent, il y a quand même pas mal de fenêtres d'espoir, quand même, j'espère. Enfin. Donc l'écologie, c'est un sujet quand même qui te tient à cœur. Tu l'as pensé comme ça au moment de l'écriture du roman, c'était vraiment ce souci-là de montrer un peu l'absurdité humaine par rapport à la non-conscience un peu de prendre soin en fait de la terre. Oui, tout à fait. Alors l'image, elle est venue j'ai vu une image. Je me demande si c'était pas une image de, enfin bref, peu importe, d'un personnage comme ça très jeune sur une roulotte. Je me suis dit, mais la roulotte, vraiment, avec un vieux cheval, etc. Donc ça pouvait être le point de départ symbolique un petit peu d'un monde où il n'y aurait plus rien d'autre que des routes toutes poussiéreuses, des carcasses de voitures dans tous les coins. Et les seules choses qui pourraient encore rouler, c'est des roulottes, si on peut dire. Évidemment, c'est parti de là. Puis après, j'ai construit toute une histoire, effectivement, très liée aux problèmes climatiques, aux interrogations écologiques, etc. Mais c'est un peu le décor et le tapis de l'histoire qui est aussi motivé par des sentiments très, très actuels et qui un peu éternels de cette jeune fille qui veut... Alors ce que je précise aussi, c'est que les héros de notre histoire, ce sont deux femmes. Je dis ça parce que cette question. Mais en fait, c'est drôle, j'y ai pas vraiment pensé, mais il y a des jeunes gens que j'ai rencontrés dans un collège, je crois que c'est des quatrièmes ou troisièmes, et une fille qui dit, mais le personnage de Tristan, et on le voit jamais, on le voit qu'à la fin. Alors, c'est là que je me suis dit, en fait, toute l'histoire est construite, c'est ces deux femmes qui sont les héroïnes et qui vont, ou pas hein, d'ailleurs, hein, je vous dis pas la fin, mais délivrer Tristan dans cette île perdue au milieu d'un océan... totalement pollué, enfin bref. J'allais en venir justement à ça. Je voulais dire que c'était à la fois une fable écologique, en effet, mais c'est aussi en fait un roman féministe, dans le sens, un roman qui développe deux personnages, en tout cas avec des facettes différentes de la femme,
de la jeune fille et de la femme. Et je trouve qu'ils sont aussi un peu à contre-cliché, justement, de ce qu'on voyait avant dans les romans, et que notamment ce personnage de Ida, qui est quand même, je trouve, justement, très courageux. Alors, c'est sûr que maintenant, c'est des personnages qu'on voit plus hein, dans les romans jeunesse, mais pour être libraire depuis longtemps, moi, je trouve que ça fait pas si longtemps qu'on voit ce genre de personnes. En tout cas, on en voyait, mais c'était quand même des archétypes, justement, de filles super fortes. Enfin, voilà, il n'y avait pas toutes ces aspérités qu'Aïda aussi, hein, qui est quand même, qui a ses ambiguïtés, qui a ses, on va dire, ses failles aussi, qui n'est pas une super héroïne, quoi. Non, voilà. et puis sa grande jeunesse, puisqu'elle a 16 ans, donc elle est naïve aussi, elle ne connaît rien du tout du monde extérieur, puisqu'elle était enfermée dans cette maison Bosco, là. Donc elle ne découvre que par l'intermédiaire d'un personnage secondaire, mais dont elle parle assez souvent, qui était une personne un peu au service de cette maison et qui lui, au contraire, lui a montré plein de choses, mais par des cartes postales ou de la musique, parce qu'elle est aussi musicienne. Donc, mais en fait, elle découvre complètement le monde quand elle s'en échappe. Donc elle est dans une grande naïveté. Et je veux préciser que je viens de faire un nouveau roman jeunesse, je ne sais pas si... D'accord, je te... toutes mes questions. Parce que c'est aussi une histoire de fille, d'ailleurs. Bon, alors, ok, je me tais. Non, mais je plaisantais. Non, mais tu veux parler de ce que tu veux. C'était pour rire. Non, c'était juste pour rire. Tu peux développer. Justement, j'allais en venir après au prochain, mais... pour rester en tout cas sur Ida la Bleue, c'était pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la jeunesse, et c'est vrai que pour avoir discuté avec pas mal d'écrivains qui ont entre guillemets la double casquette, c'est vrai que souvent ils disent qu'ils prennent beaucoup de plaisir à écrire des romans jeunesse parce qu'effectivement il y a cette liberté là de à la fois mélanger des genres, de développer chez des personnages peut-être d'autres choses, aussi une liberté de ton peut-être qui est plus... on est moins soumis à une sorte de, pas de pression ou de carcan, mais en tout cas, il y a un souffle comme ça, plus libre quelque part dans la jeunesse. Oui, c'est sûr. Et puis alors, on peut aborder des sujets aussi qui peuvent parfois être un peu compliqués. Une autrice que je connais bien aussi personnellement, qui s'appelle Claire Castillon, hein, tu pensais à elle aussi, qui ose aborder des sujets incroyables, quoi. Donc voilà, il y a des possibilités, je trouve, avec le... Alors évidemment, il faut tout mesurer. Il ne faut pas non plus leur servir à un monde absolument effrayant. Il faut, il me semble, apporter quelques fenêtres d'espoir et puis un petit peu des passages un peu plus oniriques ou rigolos. Dans le premier roman jeunesse que j'avais fait, tu ne voulais pas en parler ? Non, donc ça va. Chapeau de tétragonie. Il s'adressait plutôt à des enfants à partir de 10 ans, où là, on était dans un univers totalement fantasque, où le personnage d'Henri devait aller chercher un chapeau dans un pays qui s'appelle la Tétragonie. Là, vraiment, on était dans quelque chose où il devait prendre des trains, etc., enfin, qui n'existe plus. On était dans un univers totalement onirique, quoi. Donc, c'est vrai qu'on peut se permettre, dans la littérature jeunesse, il me semble, là, c'est pas une vérité du tout, mais on peut se permettre d'aborder des sujets et explorer des univers... Voilà qu'on. Mais ça, c'était déjà vrai, d'ailleurs, quand j'ai écrit beaucoup pour le théâtre, où on pouvait se permettre d'apporter des mises en scène, où tout n'est pas dit. Hein. On n'est pas non plus à obliger de tout asséner, de tout expliquer. Les enfants, ils sont capables ils comprennent plus Claude Ponty que nous, les adultes, hein, parfois. Hein. Donc, voilà, il y a aussi ces biais, enfin, éviter le fait d'être trop didactique, explicatif, etc. Quoi. Voilà. Oui, non, mais c'est ça qui ressort aussi à la lecture du roman, c'est qu'en fait, il y a ces thèmes forts, effectivement, mais ça reste un roman d'aventure, comme tu l'as dit, un roman parfois drôle, émouvant, avec tout un contenu romanesque comme ça, qui est aussi une lecture plaisir. Parce que quand on fait effectivement la sélection ensemble, il y a aussi c'est important. Enfin, le but, c'est effectivement de donner envie de lire. Et c'est vrai que là, on voit... aussi par ton travail peut-être de dramaturge et de ce souci de la lecture à voix haute, on sent quand on lit le roman, les dialogues et tout ça, ça sonne, enfin c'est assez presque cinématographique même par moment, je trouve. Oui, alors c'est vrai que j'écris, mais que ce soit d'ailleurs en littérature jeunesse ou tout public, enfin ou adulte et même en nouvelle, à partir d'un... C'est vrai que c'est en ça que c'est peut-être assez cinématographique, à partir d'une structure narrative qui est quand même très,
très écrite, très, très réfléchie avant de passer vraiment à l'écriture. Donc il y a une construction. C'est-à-dire qu'il y a des écrivains, même des gens que je connais, qui commencent quelque chose, ils ont une idée, puis hop, ils y vont, puis ils se laissent aller. Et puis d'autres, moi je suis plutôt de ceux-là, qui écrivent vraiment même une petite bible de chaque personnage, d'où il vient, etc. Et du coup, une structure narrative assez serrée, de manière... Alors parfois, il y a des choses dont je m'échappe, hein, bien entendu, mais il y a quand même une structure qui fait qu'on a une forme de scénario, quoi. C'est en ça que c'est peut-être un peu cinématographique. Et puis c'est vrai que j'attache de l'importance au dialogue, il y a des choses un peu vivantes. Parfois, le dialogue remplace l'action... mais la fait avancer aussi, quoi. Donc tout n'est pas raconté, mais aussi, enfin si, parfois raconté par la bouche des personnages, qui me paraît... Et les images aussi, j'ai le côté cinématographique par les images, cette façon de planter le décor. Enfin, tu vois, donc, c'est ça, je trouvais, c'était très visuel, quoi. Merci. Donc pour se rendre compte de ça, ce qui serait bien, c'est que tu nous lises un passage, parce que... Benoît Fourchard est un excellent lecteur, puisque c'est un peu aussi son métier. Et franchement, et moi, pour t'avoir déjà entendu, je suis très contente de partager ça avec vous, parce que c'est vraiment toujours des moments vraiment très, très agréables. Donc voilà, je te laisse lire et choisir le passage. Eh ben, j'ai combien de temps ? Une heure ou deux ? Non, t'as le temps. Non, franchement, on est dans les temps, on respecte bien. Et puis le temps, il est pour toi, donc vous êtes sans mieux d'écouter. Donc, je vais quand même vous lire le prologue, parce qu'il y a un prologue. Et le prologue, c'est... Alors après, vous allez voir, c'est Ida qui parle elle-même, enfin c'est elle, la narratrice. Mais dans le prologue, il y a un petit peu, justement, ça c'est un petit peu cinématographique. On commence par un autre personnage qui va revenir par la suite. Alors je vous lis. En haut d'une colline, indifférente au soleil tenace, une vieille femme tient une paire de jumelles devant ses yeux. Elle a un pied sur un rocher, une main sur une poussette à commission aux couleurs délavées, une longue pipe à la bouche, un grand chapeau de paille dépenaillé sur la tête. Dans le ciel presque blanc, elle suit le parcours d'un point noir. Cette vieille est peut-être bien centenaire, peau fripée, craquelée même, rides profondes, poche sous les yeux. Mais son petit sourire narquois et son œil pétillant ont tout l'air de nous indiquer qu'elle n'est pas forcément une vieille comme les autres. Elle laisse tomber ses jumelles sur sa poitrine, retire la pipe de sa bouche et, tel un marin au long cours, la tapote sur son talon pour en faire tomber le tabac consumé. Plus tard, on découvrira que cette très vieille femme est indocile, mal polie et rigolarde, qu'elle a la langue bien pendue et la réplique facile, et qu'elle se nomme Félicité. Pour l'instant, elle repositionne ses jumelles et observe. La chaleur est accablante, la lumière brumeuse et le paysage désolé. Le point noir a grossi, c'est maintenant un oiseau, un grand oiseau, un corbeau peut-être, ou plus précisément un chouka, une espèce devenue très rare. Son vol est rapide et rectiligne, il sait où il va, ne marque aucune hésitation. Il s'approche et plane au-dessus de la colline avant de descendre en piqué, rapide et lourd. Il déploie ses aérofreins et se pose un peu maladroitement sur l'épaule de la vieille. « Toujours aussi délicat, mon vieux volatile, » dit-elle. L'oiseau marmonne. « Et toujours aussi bougon. Alors qu'est-ce que t'as à t'agiter comme ça? T'as un truc à me dire? Tu veux que j'observe la route? Et qu'est-ce qu'elle a, la route, hein? À part d'être aussi déserte que d'habitude. » Félicité reprend ses jumelles et scrute la large vallée. Du haut de la colline, on a une bonne idée de la géographie de la région. On peut visualiser le déroulé du chemin sur plusieurs kilomètres. Et là, au loin, vers sa gauche. « D'accord, d'accord, je vois, » murmure-t-elle en hochant la tête. Puis elle se tourne vers son oiseau, sourire malicieux, regard complice, replace ses jumelles devant ses yeux, tend le cou exagérément, observe de nouveau la route et ajoute « Je vois une jeune fille, très très jeune, à peine sortie de l'enfance, casquette sur la tête, qui se trimballe en roulotte toute seule avec juste un chat assis à côté d'elle. « T'as raison ma bestiole, voilà un truc intrigant, surtout que, attends voir. » Elle enlève sa casquette, ses cheveux sont ras, mais ses cheveux, on dirait bien que... Mais oui, oui, des cheveux bleus. Eh ben dis donc, alors là, mon vieux chouka, de deux choses l'une. Ou bien cette gosse n'a vraiment pas froid aux yeux, ou bien elle est sacrément naïve, voire totalement inconsciente. En tout cas, elle ne se trimballe pas en roulotte sur cette route poussiéreuse comme ça par hasard, non sûrement pas. Bon, il n'y a pas à tortiller, ça, c'est une mission pour moi.
Parce qu'un bleu comme ça sur la tête, un bleu incontestable, un bleu irrémédiable, c'est un sacré fardeau, crois-moi. Pire qu'un bleu à l'âme, une vraie malédiction. En voilà une qui va avoir besoin de mon aide. Et puis un peu d'action nous fera le plus grand bien. Bref, il s'agit de ne pas la perdre de vue, cette môme aux cheveux bleus. Allez hop, mon chouka, en route. Donc ça, c'était le prologue. Je continue ? Oui. Bon. Donc on change d'axe de la caméra. Voilà, c'est ça. Vas-y. Donc chapitre 1. Au loin, une montagne, toute droite, découpée comme une tranche de gâteau. De l'autre côté, des collines arrondies et pelées. Le chemin est poussiéreux, chaotique, troué de nids de poules. De chaque côté, les vestiges d'une ligne blanche discontinue. Parfois, la carcasse d'un véhicule rouillé est posée là, presque fossilisée dans le décor. J'imagine sa course, subitement interrompue. Le soleil tape fort. Heureusement, au-dessus de nous, un auvent en toile nous en protège. La jument, lourde, marche d'un pas lent. Pas question de galoper, ni même de trotter tranquillement. Je passe quelques lignes. Je consulte régulièrement la carte soigneusement pliée et planquée au fond de la petite armoire de la roulotte. D'accord, c'est une carte hantée diluvienne, mais elle est mon seul guide. Parsemée de signes mystérieux, de couleurs et d'indications, cette carte, c'est surtout pour moi la signature indélébile de Tristan. Le fil qui me relie à lui. Un fil que jamais il ne faudra lâcher. Tristan, c'est lui qui devrait être ici aujourd'hui, sur cette roulotte, avec moi. À sa place, sur le petit banc en bois, le chat est assis, immobile, solennel. Il regarde droit devant lui, tel une vigie. Il est sûrement absorbé dans ses pensées, lui aussi. Mais que faire d'autre, de toute façon ? Autour de nous, pas un bruit, pas un souffle, pas le moindre chant d'oiseau. Seuls les grincements de la roulotte et le martèlement des sabots sur la route ponctuent le voyage. On se croirait dans un désert. Depuis une semaine que je me suis enfui, je n'ai croisé personne. À part ce drôle de type taciturne avec lequel j'ai échangé trois mots. Planté au bord de la route, il m'a confirmé que pour l'ouest, j'étais dans la bonne direction. Je l'ai remercié avec un grand sourire, autant pour le renseignement que pour avoir eu l'occasion de parler avec un être humain. Du coup, je l'ai salué machinalement en soulevant ma casquette. Et en voyant mes cheveux, il a changé de tête, les yeux ronds et la bouche en cul de poule. Après toutes ces années enfermées à la maison Bosco, j'avais imaginé que le monde extérieur serait moins regardant, que la couleur de mes tifs passerait un peu plus inaperçue. Ben on dirait bien que non. Le regard du type me rappelle les mots servis depuis toujours par Sœur Élise, la patronne de l'institution. « Le bleu des cheveux, c'est la couleur du diable !» J'ai jamais su pourquoi, ni d'où venait cette affirmation. Peut-être qu'un jour, quelqu'un me l'expliquera. En tout cas, je me demande si l'heure de laisser pousser ma tignasse est vraiment arrivée. J'ai comme un doute. Allez, encore un peu. Je passe quelques lignes. Droit devant nous, le soleil commence à décliner. Le paysage a changé. Moins poussiéreux, moins désertique, avec même un semblant de végétation pour le colorer. Dites les bêtes, ça vous dirait pas qu'on s'arrête là, près de ce bosquet ? Pas de réaction. Bon, bah ok. Quelques arbres maigrichons, de l'herbe et un ruisseau, un coin presque idéal pour la pause du soir. On passe encore quelques lignes. Tac, 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 il se passe plein de choses, la nuit, etc. Dès les premières lueurs du jour, la chaleur revient harassante. Pourtant, l'été n'est même pas encore là. Comme toujours, la nuit a été peuplée de rêves récurrents, des cauchemars, qui me donnent la sensation de ne pas avoir vraiment dormi. Tristan, bien sûr, perdu et tout maigre dans sa prison du bout du bout. La jument est rapidement attelée. Notre caravane reprend la route. En fin de matinée, j'aperçois un gros village, enfin une trace de civilisation. Je décide de nous y arrêter. Depuis mon évasion, ça va être mon premier vrai contact avec des gens du monde extérieur. J'ai tellement envie de croire que le monde n'est pas si hostile que l'on m'a toujours décrit, que cet endroit sera plus accueillant que ce que j'ai connu jusqu'à présent. Peut-être même qu'on y acceptera la couleur de mes cheveux. Ce qui tomberait bien, j'ai plus vraiment envie de les raser. Mais mon ventre commence à se tortiller
Lorsque j'aperçois les gendarmes qui contrôlent l'entrée du village, je remets ma casquette qui me couvre entièrement le crâne. C'est plus prudent. À suivre. Merci. Alors, merci pour la belle lecture et aussi pour la découpe. Parce que Benoît avait bien préparé. À chaque fois, il passe effectivement des lignes. Et c'est vrai que ça donne quand même beaucoup de rythme à la lecture. À la lecture, à la fin du passage, on n'avait pas prévu cette question, mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui ressort. C'est effectivement cette parabole, cette métaphore sur la différence aussi avec ses cheveux bleus. Ce côté un peu, vous pourrez assimilé à du racisme ou à de la stigmatisation, ouais. En tout cas. Donc, c'est aussi quelque chose qui te tenait à cœur, au-delà de l'écologie et... Ben oui, bien sûr. Bon, j'avais déjà abordé plus ou moins ce sujet dans différents ouvrages, mais là, il se trouve que c'est vraiment... Elle est ostracisée, elle est vraiment racisée, en quelque sorte. À cause de ses cheveux bleus, on comprend pourquoi. Les raisons de cette... De cette ostracisation du personnage à cause de ses cheveux bleus. Donc, c'est évidemment, elle ne sait pas pourquoi. Mais c'est la vieille Félicité qui va lui expliquer ce qui s'est passé, cette grande catastrophe qui a eu lieu quelques années auparavant. Et voilà, et y a toute une histoire autour de ça, une histoire dans l'histoire, un tiroir, en quelque sorte. Y a ça, puis le fait aussi que le pays, c'est un peu... Il y a une sorte de dictateur, mais qu'on ne connaît pas, qui est très inconnu. Et puis chaque région, en fait, qu'elle va traverser est dirigée par un dictateur local, tous plus cruels et plus horribles les uns que les autres. Évidemment, elle va être en proie à tous ces dictateurs. Alors, ils ne s'aiment pas les uns avec les autres, mais ils ont un point commun, c'est que tous, absolument tous, détestent les gens qui ont les cheveux bleus. Donc, évidemment, à chaque fois, elle va se retrouver face à des... Il va falloir qu'elle se cache, qu'elle mette des perruques. Enfin, bref, il y a tout un... Elle va se retrouver prisonnière aussi, s'échapper. Enfin, il y a plein de rebondissements aussi. C'est quand même, effectivement, un roman d'aventure. Donc, mais souvent motivé par une opposition entre ces deux femmes, en plus, deux femmes. Et donc, l'une avec les cheveux bleus, donc, et en opposition avec ces différents dictateurs locaux qui ont leur nervie, leur cerbère, on va dire. Voilà, il y a tout un contexte comme ça qui me paraissait aussi moi qui m'intéressait évidemment d'aborder ça, parce que on n'est jamais complètement protégé, hein, dans nos démocraties très fragiles. Voilà, je fais aucune allusion à rien du tout, hein. Alors il y a aussi un aspect que je voulais aborder, enfin, que tu nous expliques aussi comment est né un peu Idala Bleu, parce que j'ai lu en faisant des recherches que c'était né aussi d'une résidence que tu avais fait à la Filoche, donc ce lieu que je ne connaissais pas, moi, avant d'avoir fait ces recherches-là sur toi et ce livre. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette résidence que tu as fait d'écriture, ce lieu aussi qui a l'air assez incroyable. Et voilà, donc je te laisse en parler en quelques mots. Alors, je vais même faire un autre petit préambule. En fait, au départ, Idala Bleu, c'était une pièce de théâtre qui nous avait été commandée par le Livre sur la Place en 2009 ou 10. Et pour le projet était de faire une lecture musicale, mais qui devait se faire une seule fois, Place Stanislas, au moment du Livre sur la Place. Donc, on avait engagé 5 ou 6 comédiens, plusieurs musiciens, et Rémi Malingret, donc un dessinateur assez connu, qui faisait des dessins en direct d'Idala Bleu. Et donc, l'idée est venue de là. Donc, au départ, c'était une pièce de théâtre très courte, qui finalement a été publiée sur un site numérique. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt n'est pas d'en faire une pièce de théâtre, mais un véritable roman. Donc, ça s'est développé, évidemment. Jusqu'au moment où j'ai présenté le projet à l'éditeur, donc au Seuil Jeunesse, avec lequel j'avais déjà fait un livre, et qui m'ont dit, mais super, ok. Et donc, il y a eu cette possibilité de faire cette résidence d'écriture à la Filoche, qui est une grosse médiathèque, qui est presque un tiers-lieu, à côté de Nancy, à Chaligny, et qui propose justement, eux, ils étaient très emballés par cette idée de cette résidence de 3 mois, dans laquelle, donc, financée par la région Grand Est et la DRAC, Grand Est. Et dans cette résidence, l'occasion était... Donc, j'avais les 3/4 du temps consacré à l'écriture du roman,
Donc soutenu par l'éditeur, bien sûr. Et puis, un moment destiné à rencontrer des collégiens et même des plus jeunes, enfin des classes primaires, autour du premier roman que j'avais fait, mais aussi avec des ateliers d'écriture. Il y avait plusieurs ateliers d'écriture qui ont été mis en place dans cette résidence, notamment un atelier qui était très, très drôle. C'était des enfants non écrivants, puisque des petites 3 ans, 3-4 ans, avec leurs parents. Donc c'est eux qui fournissaient les idées, c'est les parents qui écrivaient l'histoire fournie par les enfants. Donc c'était assez, assez marrant. Et puis au terme de cette résidence, il y a eu un livre qui a été publié avec tous les travaux qui ont été produits pendant la résidence. Et puis moi, j'ai pu avancer sur le roman. Donc c'était en 2019. Alors bon, je vais vous passer tous les détails, parce que ça a été assez compliqué, parce que le livre n'est sorti qu'en 2023. Donc il y a un an, là, tout juste. Entre-temps, il y a eu un petit problème de pandémie. Et puis l'éditeur que j'avais au seuil, finalement, il est parti. Donc ça a été repris par une autre éditrice. Et finalement, de fil en aiguille, le roman a fini par se faire, mais seulement 4 ans après la résidence, quoi. Donc c'est pas si simple. Bien que, bon, c'était passionnant. Et ça a permis aussi, tout un tas de rencontres. Alors il y avait aussi dans le projet de la résidence des moments où je faisais une lecture à haute voix des premiers... des premières bribes d'écriture où là, le public disait « Oh, ça, on ne comprend rien ». Bref, il y avait aussi une réaction en direct de comment avançait l'écriture du roman, quoi. Donc, c'était assez passionnant. Donc là, du coup, tu peux nous parler de ton nouveau projet de roman au seuil. Moi, j'ai eu la chance d'en voir un petit peu des bribes parce que je suis allée il y a quelques semaines au siège du seuil, à Paris. Ils sont des tout petits locaux, hein. Non, en fait, c'était pas. Nous, on était chez MDS, donc c'était des gros locaux. En fait, on était dans des gros locaux. C'est gigantesque. Ouais, c'est gigantesque, ouais, c'est super énorme. Le seuil appartient à un groupe qui s'appelle Média Participation, ouais. Où il y a plusieurs. Non, c'est énorme. C'est énorme. Franchement, on y allait. Enfin, bref, c'est pas très intéressant, mais c'est vrai que on s'y perd, quoi. Faut vraiment qu'on. Heureusement, on avait quelqu'un qui nous a emmenés, mais voilà. Et en tout cas, ils ont présenté leur futur projet. Donc, album et aussi roman. Et donc, tu as apparu sur un grand écran. Enfin, en tout cas, la couverture, peut-être provisoire, mais du ah bah, j'ai même définitive. Pas vu, voilà, moi, je l'ai vu, du prochain roman. Donc, du coup, j'ai dit, je le connais, Benoît Fourchard. Et du coup, c'était chouette de voir aussi qu'on a senti qu'ils étaient en tout cas très emballés par ce nouveau projet, qu'ils soutiennent... Vraiment, parce qu'ils sortent pas, faut juste préciser qu'ils sortent pas beaucoup de romans d'ados. Contrairement à d'autres, ils ont une production assez limitée. Donc, quand ils choisissent un texte, ils le portent vraiment et ils préfèrent produire moins, ce qui est plutôt très intelligent, et soutenir les projets, les suivre. Oui, en fait, ils ont, et ça, c'était aussi beaucoup l'éditeur d'avant. Donc là, maintenant, tu as dû voir Marion Amery, l'éditrice. Auparavant, donc, Thomas Leclerc, il était très féru de littérature anglo-saxonne, où il considérait que les anglo-saxons étaient vachement meilleurs que les Français en termes d'écriture jeunesse. Et c'est vrai qu'il publie assez peu de romans français, notamment pour les ados. Et là, bon, Marion Amery, donc, qui a repris ce rôle éditorial, elle est... Bon, oui, j'ai du mal à dire qu'elle aime bien ce que je fais, mais c'est vrai que ça... Quand je vais proposer, alors le prochain roman qui va apparaître, il est en cours de réécriture, parce que le travail avec l'éditeur, c'est aussi ça qui est très important, c'est le regard qu'il apporte pour tout ce qu'on peut améliorer dans un roman, même des choses relativement parfois importantes, où on décide par exemple de faire mourir un personnage, il faut un peu de... Enfin bref, il y a des tas de choses comme ça qu'on travaille justement avec l'éditeur, et moi je trouve assez passionnant, et je suis très à l'écoute du regard professionnel de l'éditeur. Enfin bref, donc ce prochain roman qui s'appelle « Le jour de chasse à Florigny », est un village qui n'existe pas, c'est un roman sur la chasse. Donc ça part d'un fait divers qui a véritablement existé, où un jeune d'une vingtaine d'années a été tué par un chasseur. Et donc on part de ça, et là évidemment c'est un petit peu, c'est très, par rapport à Ida Labeu, on est dans une situation extrêmement contemporaine, très presque politique on va dire, où on a une opposition dans un village entre les pros et les anti-chasses. Donc suite au décès de ce garçon. Donc toute la suite évidemment, je me suis servi de ce fait divers un petit peu comme point de départ, mais évidemment, tout est une fiction. Mais donc, on est dans une situation où... alors, c'est un roman qui sera plus court.
Au départ, ça devait être une novella, en fait, donc une longue nouvelle, que j'avais d'ailleurs proposée au Seuil comme ça, parce que je suis en bon terme avec eux. Je dis, je vais faire ça, mais bon, c'est pas tout à fait votre registre, me semble-t-il. Donc j'avais proposé à une autre maison d'édition que tu dois connaître, Inuit, avec la collection Faction. Pareil, ils m'ont répondu en disant « Oui, on veut bien le faire ». Puis entre-temps, comme Le Seuil avait dit « Ok, on le fait ». Mais elle m'a dit « Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que ça soit plus qu'une novella, un roman court. » Donc ça sera peut-être la moitié d'Ida la Bleue, mais malgré tout, ça, c'est un petit roman. Donc avec une construction de polar un peu, parce qu'évidemment, il faut enquêter. Est-ce que ce garçon a été tué volontairement ou pas? Enfin, il y a tout un processus qui se met en place avec tous ces chasseurs, là, évidemment. Les pro-chasses, ils vont peut-être pas tellement apprécier, hein, mais il y a quand même quelque chose, encore une fois, autour de l'écologie, mais là, plus l'écologie d'aujourd'hui et des choses très, très concrètes, quoi. Voilà. En gros, c'est un roman qui est en cours d'écriture, donc je ne sais pas encore quand est-ce qu'il sortira, je pense. Il y a déjà une date ? Non, si, je crois, début 2025, non ? Ah bon ? Non, je ne pense pas, quand même, parce que... Printemps 2025. Plutôt printemps, oui. En tout cas, ils ont balayé un petit peu... ils n'ont pas donné de date précise, je crois, et balayé. Eux, ils fonctionnent en trimestre, hein, donc ils ont dû dire peut-être premier trimestre ou semestre... comme ça, ils ne se mouillent pas trop, quoi. 2025, donc ils n'ont pas donné de date précise. Hein. Je ne connais pas la date de sortie, mais toi, tu la connais et la couverture. Non. Je pense qu'ils veulent, et c'était bien. Moi, je trouve... Non, ils ont fait ça. Alors, je précise, c'est très intéressant. Mais en tout cas, pour préciser, ce qui était intéressant, c'est que nous, souvent, quand on va justement dans les maisons, nous, on a des personnes déjà qui nous présentent ce qui va sortir dans les 2 ou 3 mois. Donc, s'ils font ça aussi... En fait, ils répètent ce qu'a dit déjà le représentant. Oui, c'est ça, et là, ils ont voulu, nous, on leur avait demandé avec notre association, enfin des librairies sorcières, de faire plutôt une projection un peu plus lointaine, dont ton livre et d'autres. Comme ça, si ça ne faisait pas une répétition par rapport au travail des représentants. Voilà, c'était la volonté. Et en plus, c'est eux qui ont choisi, c'est pour ça que je dis qu'ils soutiennent le projet, parce qu'ils ont d'autres productions, ils ont choisi parmi les choses qui vont sortir dans les 6 mois, je pense, une dizaine seulement de titres qui leur tenaient à cœur. Donc, tout confondu, dire, super. Du tout carton au roman ado. Donc, fais partie des projets, en tout cas, qui leur tiennent particulièrement à cœur. Voilà. Et on n'est même pas encore sûr du titre. Hein, donc, voilà. Non, et là, c'est ce qu'ils ont dit. Par contre, ils ont dit créer un idée définitive. Oui, c'est. Je pense déjà il y a une première réécriture, un développement, etc. Là, cette fois, le héros, on va dire, le personnage principal, c'est un garçon. Qui est le petit frère de celui qui a été tué. Donc, c'est lui qui va avec la copine, enfin la veuve maintenant, la copine du garçon qui est mort. Donc, à eux deux, ils vont aussi développer toute l'histoire et toutes les... Alors là, bon, avec des oppositions très, très contemporaines, quoi. Je vais préciser aussi qu'il y a eu un autre roman qui aurait dû se faire au Seuil, finalement, ça s'est pas fait, mais bref, qui s'appelle Les baskets du Père Noël. Je voulais rebondir par rapport à ça tout à l'heure, qui s'adresse plutôt à des lecteurs à partir de 10 ans, et qui est aussi porté par un personnage féminin. Donc voilà, c'était une parenthèse donc, qui est sortie il y a très peu de temps, donc, et dans une petite maison d'édition qui s'appelle Le Jasmin. Je connais pas vraiment. Si, toute petite maison d'édition qui est disponible aussi. Et là, qui s'adresse vraiment à des CM2, 6e en termes d'âge. Écoute, moi j'aimerais bien, enfin si vous êtes d'accord aussi, mais est-ce que tu auras encore un passage à nous lire et après on passera peut-être aux questions. Je pense que des personnes ont peut-être des questions à te poser. Allez, la suite. On est un peu au spectacle, hein, on en profite. Pardon que je vous rappelle les épisodes précédents. Donc elle arrive dans ce... Elle aperçoit ce village, enfin une civilisation. Donc voilà. Et là, elle arrive et il y a une sorte de checkpoint à l'entrée du village avec des gendarmes. On les appelle les gendarmes parce que vous verrez après, il y a des milices, etc. Eux, c'est un peu les gendarmes un peu officiels, mais finalement, c'est pas les plus méchants. Bref. On peut savoir ce qu'elle fait sur les routes, la fille avec sa casquette. Elle va s'occuper de sa grand-mère, qui est très malade, qui vit à l'autre bout du pays, qui risque de mourir bientôt et qui aimerait tellement revoir sa petite-fille une dernière fois. Je lui réponds. Ah, il a fallu attendre près d'une heure. Les gendarmes avaient un soupçon quant au contenu d'une carriole juste devant nous. Surtout le chef, un gros moustachu,
Le paysan a eu beau leur expliquer qu'il était déjà venu plusieurs fois vendre ses légumes ici, on ne voulait pas le croire. Avec son drôle d'accent, il a eu un peu de mal à se faire comprendre. Il a dû vider tout le chargement de sa charrette, ce qui m'a laissé le temps d'affûter mes arguments et de prendre cet air de Sainte-Nitouche. « Et tu transportes quoi dans ta roulotte ?» demande le chef à moustache. « Oh, rien de spécial, quelques victuailles pour ma grand-mère mourante, vous voulez voir ?» On va se gêner, tiens, caporal, vérifie-moi tout ça. Pardon, vérifie-moi ça et que ça saute. Je m'en occupe, chef. Pas de produits illicites là-dedans, au moins. Monsieur l'agent, vous avez vu mon âge ? Oui, eh ben, avec les jeunes, hein, on sait ce qu'on sait. Hein. Et les jeunes en roulotte, c'est encore pire. Je lui répondrai bien que j'ai reçu une excellente éducation au sein d'une institution religieuse très comme il faut, mais j'ai comme l'impression qu'il vaudrait mieux ne pas trop fanfaronner. Et surtout, ne pas trop en dire sur la maison Bosco. J'espère que le caporal ne va pas découvrir le faux fond du placard, là où je planque la carte. J'espère aussi que je n'ai pas laissé traîner d'autres indices de ma fuite. Je l'entends farfouiller derrière moi, mais n'ose pas me retourner. Le chef s'impatiente, je lui balance un sourire crispé. La sueur me dégouline dans le dos, il continue à me regarder de travers. Le caporal finit par revenir, content de lui, mon ukulélé à la main. « Rien à signaler, chef, à part ce truc. »« Ah, je vois qu'en plus, on a affaire à une artiste. »« Eh ben, descends de ton carrosse. »« Mais je... »« Descends, je te dis, en quelle langue faut te causer ?» Ils n'ont plus du tout l'air de rigoler. Je descends de la roulotte. Le caporal a l'air sympa. Non, pardon, le caporal semblait sympa. Erreur. Comme ils n'ont rien trouvé à se mettre sous la dent, à part mon instrument, ils vont s'en prendre à moi, c'est certain. » Le chef m'ordonne de me retourner, jambes écartées, mains contre la roulotte. Je sens ses grosses pattes moites me palper de bas en haut. Je me mords la lèvre pour ne pas réagir, pourvu qu'il ne me fasse pas enlever ma casquette. Purée, le voyage ne va quand même pas s'arrêter là. Mais quand il comprend qu'il ne trouvera rien, il ne le reste plus qu'un os à ronger. Et si tu nous jouais un petit truc avec ton ukulélé, chef ? Ukulélé. Allez hop, joue. Je saisis mon instrument, mes doigts trempés de sueur ont bien du mal à former des accords. Pourtant, j'ai l'impression que les notes qui s'égrènent les apaisent. En tout cas, un vague sourire semble de se dessiner sur leurs lèvres. Derrière la roulotte, la file s'allonge, ce qui n'empêche pas le caporal d'en rajouter. Et si elle dansait un peu, parce que... Alors moi, j'adore ça, la danse. Le chef rit grassement. Je vais pas m'en sortir. Coup de chance, dans la file, quelqu'un crie, l'impatience se fait palpable et le chef en prend soudain conscience. « Allez, il y a du monde qui attend, fais-lui donc son laissez-passer et qu'on n'en parle plus. Mais faudra que tu sois reparti avant la tombée de la nuit, pigé ? Allez hop, circule !»« Pas de problème, messieurs les agents, c'est compris. Et merci, je... »« Bouge ! Tu préfères que je change d'avis ?» Oh purée, la trouille. Comment savoir ce qu'il faut dire, ne pas dire, montrer, ne pas montrer ? Bon, c'était une sorte de première épreuve. Et en fin de compte, je n'en suis pas si mal sorti. Ce sera peut-être pas si compliqué de traverser le pays et d'arriver au bout du bout. Je me dis ça, mais j'en suis pas du tout convaincu. Et là, évidemment, au village, elle va faire un show avec son chat chanteur. Bon, il y a un petit truc, il y a un subterfuge. La jument, cette vieille jument qui fait les percussions, en fait, c'est elle qui va faire les percussions de la chanson qu'elle va chanter avec son ukulélé. Bah, merci beaucoup, Benoît, pour cet échange et puis ces lectures, hein, qu'on a beaucoup appréciées, je pense. Et on va peut-être passer aux questions. Je vais peut-être circuler. Moi, je peux circuler avec le micro, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions, tout d'abord ? Oui, j'arrive. Moi, je suis très admirative de vos lectures, effectivement. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais je voudrais savoir quelle Merci. Est votre formation de départ. Alors, vous voulez vraiment savoir ? Ah bah oui, je suis trop curieuse. Eh bien, j'ai un diplôme de... J'ai fait un DUT technique de commercialisation à l'IUT Charlemagne à Nancy dans les
en 80 ou 81. Donc j'ai vraiment aucune formation théâtrale et j'ai fait des stages, un grand nombre de stages de théâtre. Mais en fait, au départ, j'ai fait du théâtre amateur en quelque sorte. Et puis j'ai fondé une compagnie en 84, donc il y a 40 ans, qui s'appelle le Théâtre en Kit, qui va fermer ses portes très bientôt, là d'ailleurs, qui va arrêter son activité. Et la compagnie s'est professionnalisée assez peu de temps. Dans les années 80, il y avait peut-être encore des places à prendre, donc à Nancy. Et donc en 84-85, je suis devenu professionnel, tout en continuant à faire des stages. J'ai donc beaucoup appris sur directement au plateau, avec quelques erreurs de jeunesse. Et puis après, je me suis lancé plus dans la mise en scène, en alternance aussi. Puis après, j'ai travaillé avec d'autres. Et donc, voilà, ça c'est... Mais j'ai aucune formation de départ. Je suis désolé. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, c'est Réfine. Je voulais savoir comment vous avez choisi ce prénom, Ida. Ida Lina, elle s'appelle en réalité. Et alors, comment c'est venu ce prénom ? Je me demande si c'était pas, je vais être un peu personnel, peut-être ma dernière fille qui avait dans sa classe une jeune fille qui s'appelait Ida Lina, et je trouvais assez original. Et puis Ida, bah il y a quelque chose de, bah, Ida et Tristan, Tristan et Ida, on va dire peut-être. Non, ça c'est pas très convaincant comme argument. Hein. En fait, souvent, les prénoms des personnages qu'on choisit, ça, c'est une sorte de fulgurance qui arrive. Bah, tiens, celui-là va s'appeler comme ci ou comme ça. Dans ce roman sur la chasse, donc cet adolescent qui va mener un peu l'enquête s'appelle Léon. Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment pourquoi c'est venu comme ça. Et donc, parce que c'était. Votre question avait un sous-texte ou Non, non, c'est un prénom que je connais. Ah oui ? C'est un prénom italien, hein, donc. Oui, oui. Il n'y a pas d'autre raison que peut-être une question de sonorité aussi. Il y avait quelque chose qui sonne quand même, hein, Ida. Bon, j'ai à moitié répondu. D'autres questions ? Oui, là-bas, il y a des questions. Moi, je voulais savoir comment est-ce que votre roman a évolué durant les 4 ans qu'il a mis à être écrit ? Est-ce qu'il y a eu une différence avec le roman à l'arrivée ? Est-ce que vous aviez pensé à la base ou pas ? Alors, dans la structure et dans le projet global, non. Après, dans tous les détails, oui, beaucoup. Alors, comme je vous expliquais, mais je ne vais pas rentrer dans les détails éditoriaux, mais il y a eu un premier éditeur, donc Thomas Leclerc, qui m'a fait, dans un premier temps, retravailler un certain nombre de choses, qui trouvait que c'était parfois un peu trop gentil, qu'elle se sortait un peu trop des situations difficiles, etc. Donc il y a eu une première, puis une deuxième réécriture avec lui. Quand lui est parti du seuil, ben, le roman, finalement, en fin de compte, je vous le dis comme ça, mais en fin de compte, au bout de deux réécritures, il dit « Oh, finalement, on ne le fait pas, ce roman. » Bon, OK. Donc je l'ai proposé à plein d'autres maisons d'édition. Ça a failli se faire chez plein d'autres. Et puis finalement, Marion Amery l'a repris. Fin 2022, on va dire, en disant « Mais si, on va le refaire. » Enfin, début 2023 même. Et puis donc, elle m'a fait encore réécrire en disant « Ben voilà, il faut peut-être développer un peu plus l'histoire d'amour entre eux, qu'on comprenne quels sont les tenants et les aboutissants de leur relation. » Et puis c'est elle qui m'a suggéré « Mais il y a un personnage, vous verrez, qui arrive, qui vient aussi de l'étranger, mais qui est un personnage un peu fantasque, acrobate, etc. » Non, je vous dis pas, d'ailleurs. Enfin, bref. Donc, il y a ce personnage qui arrive, Il va avoir aussi des rebondissements dans ce personnage qui n'étaient pas prévus au départ. Donc, des choses qui changent quand même un petit peu la structure de l'histoire. Donc, du coup, mais ça, c'est un petit peu, je dirais, presque général à chaque... alors, il y a des auteurs qui n'acceptent pas du tout qu'on change le moindre... que l'éditeur leur demande de changer la moindre virgule, quoi. Moi, au contraire, je trouve que le regard de l'éditeur est très, très important. Et comme le regard des premiers lecteurs qui connaissent bien, etc., qui me disent « Ben non, ça, tu l'as déjà dit » ou « Ça, là, tu utilises des ficelles qu'on te connaît ». Donc, j'essaye de gommer un petit peu tout ça. Et puis, donc, le regard de l'éditeur, après, permet vraiment, dans la construction même de l'histoire, des rebondissements, resserrer des passages, en développer d'autres, etc. Donc, oui, ça change beaucoup de choses. Mais dans la structure elle-même, et ça ne change pas l'histoire, quoi. C'est ça que je veux dire. Merci à vous.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes si jamais... Oui. Ça me fait un peu de sport en même temps. Non, oui, donc dès le départ, en fait, on parle d'une espèce de fable écologique, comme ça. Est-ce qu'on en apprend plus sur le pourquoi du comment on en est arrivé là? En fait, c'est ça, parce que là, c'est très mystérieux. Du coup, on est là, on piaffe. Mais pourquoi? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Donc voilà, il y a vraiment... Parce que parfois, il y a des histoires comme ça où on plante le décor, et puis du coup, on n'en apprend pas beaucoup plus sur ce qui se passe... Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Donc, des fois, on reste un peu sur notre faim, quoi. Voilà, donc du coup, c'est ça que je voulais savoir, si on creuse cet aspect-là, quoi. Oui, oui, tout n'est pas gratuit. Je ne vais pas vous dire que... Mais effectivement, il y a deux longs passages digressifs, on va dire, dans l'histoire. L'un, c'est Félicité, donc cette vieille femme qui raconte à Ida comment le monde en est arrivé là. Donc avec, évidemment, tous ces problèmes écologiques, mais aussi des problèmes humains, des guerres, et puis des conséquences un petit peu de ce qu'on voit aujourd'hui en Espagne, par exemple, enfin, où il y a effectivement le monde a basculé à un moment, quoi. Et ça, on le comprend au bout d'un certain temps. Donc effectivement, on piaffe un petit peu, mais elle veut tout le temps savoir, et puis la vieille lui dit, ben... Je te dirai plus tard. Et puis l'autre grande digression, c'est elle qui raconte, parce qu'en fait, ça, ce qui est un petit peu l'élément déclencheur de l'histoire, on ne l'apprend qu'au cours du récit. C'est-à-dire qu'en fait, comment cette rencontre avec Tristan, comment ils se sont rencontrés, parce qu'elle est enfermée. Hein, bon, je ne vous dis pas. Hein. Ouais. Et puis après, pourquoi il s'est fait lui-même enfermer? Pourquoi il s'est fait enlever par... on voit un moment des hommes en noir, etc. Donc ils vont l'enfermer dans cette prison. Et puis, comment elle décide et comment elle arrive à s'enfuir, quoi. Donc tout ça, elle explique tout ça, mais dans un... Elles ont le temps, hein, sur la roulotte, hein, parce que ça va pas vite. Donc elles ont le temps de se raconter ça. Donc ça fait... Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien pratiquer, même dans les romans adultes. C'est un peu des formes de tiroirs, comme ça, où on ne comprend les choses qu'au fur et à mesure. Il y a des signes. Elle va lui expliquer aussi pourquoi elle a les cheveux bleus et pourquoi tout le monde la déteste à cause de ses cheveux bleus. Donc c'est quelque chose... Ça, en revanche, c'est totalement une fiction. Mais voilà, ça reste un peu une métaphore. Mais tout ça, on l'apprend au fur et à mesure, quoi. Donc oui, mais comme je disais tout à l'heure, comme la structure est quand même très, construite avant l'écriture elle-même, bah, tout ça, il y a toujours, j'essaye, hein, d'avoir toujours des tenants, des aboutissants, et puis des choses qui en enclenchent d'autres, etc. Et même dans cette grande histoire... Donc, il s'est passé, tout ça, ça s'est passé une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années avant, quoi. Une quinzaine d'années, parce qu'on va dire. Ça pourrait se passer en 2040, cette histoire, quoi. Par rapport à aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi des allusions sur notre système d'aujourd'hui, la démocratie qui peut être menacée, par des. Voilà, bah, bref. Par des élections, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Donc, oui, vous saurez tout. J'espère. Mais en plus, je vous suis complètement en tant que spectateur ou lecteur, et parfois au cinéma, c'est le cas aussi, où on se dit, mais finalement, quelle est la cause de tout ça, quoi? Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit manque quand on dit, ben, c'est un peu facile de la part de l'auteur de dire, ben, on s'en fout, hein, c'est finalement... Mais non, il y a quand même... Je trouve toujours intéressant de savoir que, bah oui, il y a quelque chose qui a fait que. D'ailleurs, elle rencontre aussi, là, vous verrez, à des moments, des catastrophes comme on en voit tous les jours, quoi. Enfin, elle doit traverser un fleuve à un moment, un fleuve boueux. Elle traverse ça avec sa roulotte et puis toute l'équipe, enfin, sur une sorte de barge qui ne tient pas bien sur le... Et puis, il y a tout autour des silures. Vous voyez ce que c'est, des silures? C'est des poissons sympathiques. Mais là, ils font 4 mètres de long, quoi. Donc, parce qu'ils ne bouffent plus que des... Enfin, tout ce qu'ils trouvent, et ils bouffent même des humains, quoi. Donc, il y a toute cette situation, parfois, où il y a des moments un peu... Voilà, qui sont... Ça ne s'adresse pas trop à des enfants de 8-9 ans. Et, c'est bon. Il y a des passages qui sont un peu... Voilà, comme ça. Bref.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que voilà, vous voulez peut-être échanger en off aussi un petit peu Il a un train, voilà. Donc on va peut-être s'arrêter là. On remercie beaucoup Benoît Fourchard et puis je vous remercie de vos questions. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil et puis à bientôt peut-être.